Valeo Voiture du Futur, épisode 2. Après vous avoir montré Moebius, le tableau de bord intelligent, nous allons rentrer dans une voiture autonome et nous faire une petite virée dans Vegas, sans les mains. Je suis donc dans la voiture autonome avec mon pilote Lars. Lars qui ne parle pas un mot de français. Hein. Bonjour Lars. Mais c'est pas le problème. D'ailleurs, Lars pourrait très bien ne pas savoir conduire, hein, pour la bonne et simple raison qu'il a « Show me your hands ». Voilà, qu'il ne fait rien ni avec ses pieds ni avec ses mains. Comme vous pouvez le voir sur les écrans à l'arrière, c'est la voiture qui prend intégralement le contrôle. La voiture peut faire ceci au moyen d'un LIDAR, c'est-à-dire un radar infrarouge. Concrètement, ce sont plutôt des lasers qui vont détecter le type de véhicule, le type de matériau qu'il y a devant nous. Cet élément est complété par autre chose, c'est une caméra à l'avant, car le radar, lui, est incapable de lire la signalisation au sol. C'est cette caméra, une caméra normale placée à l'avant qui va regarder les lignes et permettre de corriger en temps réel cette trajectoire. Ce système a été développé par Valeo et c'est une société américaine qui a fait l'intégration d'ingénierie dans cette voiture signée Volkswagen. De Google en passant par Audi, maintenant il y a aussi des champions français qui s'intéressent fortement à la voiture autonome. Il va bien sûr falloir attendre un cadre légal, mais du point de vue de la démonstration des technologies, on est quand même un petit peu bluffé que Lars, qui ne parle pas allemand, pourrait très bien aussi ne pas savoir conduire. Thank you, Lars.